Et bonsoir. J'espère que je vous ai pas niqué les oreilles. Bon, par contre, tu vas me faire le plaisir d'afficher le jeu. Ah non, annule. Tac. 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 Pourquoi à chaque fois ça me fait ça? Pourquoi ce jeu il est infernal à capturer? Voilà. Magnifique ça. Bonsoir. Du coup, alors, aux gens qui... Ah, j'avais une mission en cours. Ah, j'avais oublié ça. Je sais même plus ce que je faisais. Suis au milieu d'un combat, what the fuck? Explorer 90% des pièces. Ah oui, d'accord, je vois où est-ce que j'en étais, ok. Concrètement, ce que je veux là, c'est... Terrible. Ah putain, il avait une affliction lui. Oh là là. Il doit avoir très mal géré alors. Ok, ça va. Lui, il meurt. Let's go le crit. C'est chaud là. C'est très très chaud. J'ai récupéré ça. Voilà, on fait ça. J'ai si peu de bouffe. Je vais être à la fin du donjon, donc c'est pas grave. Alors ça a aucun effet, sérieux. C'est vrai que je me renseigne sur comment elle marche et comment il marche le truc, parce que j'ai l'impression que c'est... À chaque fois que je fais l'examiner à un héros, il stresse de fou, donc... Je pense que si j'explore encore deux pièces, ça devrait le faire. Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. Pas d'obstacle? Bah si, sinon c'est pas drôle en fait. Sinon c'est pas drôle. Without tools of iron, you must rely on flesh. And indefatigable purpose. Ouais, alors j'espère que c'est... Après, je pourrais me barrer. Et je pense que oui. Oui, on se casse. The twisting tunnels seem a little less impossible.
Donc en vrai, on a un bon anneau, on a de la thune. Ok. On a un champion. Abomination. Enthousiasme extrême. Et je crois que j'ai jamais vu ça. Salut Ouzma, comment vas-tu? Comment tu vas? J'ai jamais vu ça, what the fuck, c'est trop bien. Soldiers and outlaws, fools and corpses. All will find their way to us now that the road is clear. Putain, vous arrivez en bon moment, vous arrivez à la fin d'une de mes missions et vous arrivez à la fin d'une des missions, c'est cool. Ah cool, j'espère qu'on aura des gens sympas. Salut Pali. Ça va bientôt finir tranquille. Bah écoute, j'espère que ça ira que ça va bien se finir. Pourquoi on dirait que. Bref. Vous. Vous inquiétez pas, je viens de reprendre les streams après un mois d'études intensives, travail intensif pour les études. Dites-moi si pour le son tout va bien, j'ai l'impression que mon micro est un peu fort. Alors, donc, vous remarquerez que je suis à la semaine 50. En gros, que j'ai fait genre 50 runs depuis. Et la dernière fois, je crois, mon stream, c'est plus, ça fait un effet grotte. Comment ça? C'est trop bizarre. Alors, attends. Peut-être changer le mode du micro alors? M'excuserez. Que c'est mieux comme ça. Oula, c'est fort. Est-ce que ça fait grotte parce que je suis loin du micro aussi, c'est pour ça. Là, c'est mieux, non, déjà. Hein? Hein, c'est mieux. Si je parle normalement. Si je parle normalement et si j'articule. Le chat est un peu. Tac. Là déjà c'est mieux comme ça. Donc, résumé la semaine 50. Donc RNG Nana. Elle a disparu depuis la veille, très bien. Donc mon épreuve a disparu. Ok. Ah oui, il y avait la maladie. Renault ici. Mais du coup, Renéo, si tu passes par là, du coup j'ai. Comme tu as demandé, j'ai fait deux doigts en croisée. Et depuis que je t'ai recruté, t'as eu deux afflictions, j'espère que tu m'en veux pas. Mais t'es très chiant à gérer. Oh putain, j'ai vraiment eu. J'ai eu de la merde. Non, voilà, c'est nul à chier. C'est nul. On va être honnête, c'est nul. Vous voyez que j'ai pas mal. Dosé depuis la dernière fois, donc j'ai des zones qui sont assez level up, j'ai pas mal de héros légendes niveau 6, donc niveau max, et j'ai eu pas mal de morts aussi, donc voilà, donc RIP Joshen, RIP le croisé Joshen, RIP les main héros, RIP Rouge Bandit et RIP Naiden. Vous étiez d'excellents persos. Donc, où est-ce qu'on va? Donc, on a un boss ici. De la chair instable. Ah oui, ça ce boss, ça va y aller. Je crois que je suis jamais mort sur ce boss. Pistolet de l'ancêtre. Ok. Si on a un boss. En fait, ce qui est chiant, c'est que j'ai que des missions champions. Et les missions champions, c'est, je suis pas du tout à l'aise. C'est là où j'ai eu plein de morts. En fait, sur les missions champions, j'ai eu 3 morts, quoi. À nous, le tueur d'humains.
Oh, c'est bien ça. On serait préparé pour tous les types de monstres après. Le problème, c'est qu'il y a lui. Il y a la chose des étoiles. C'est pas sûr qu'on la croise, mais il y a des chances, quoi. Lanterne de l'ancêtre. Ouais. Putain, en plus, j'ai vraiment le seum parce que j'ai perdu des breloques super bien avec mes derniers morts. Et j'ai perdu, genre, les breloques qui te font réduire le stress. J'en ai perdu une dans une mission et j'en ai perdu une parce que à cause d'un événement où un de mes persos a parié à une activité et après bah, j'ai perdu samedi héros a trop parié et a perdu livre de raison stress moins 20%. Voilà, un plaisir. Donc là c'est chiant parce que lui il occupe la salle de jeu. Et j'ai pas beaucoup upgrade mes bâtiments réducteurs de stress. J'ai surtout upgrade la forge, la guilde. Et la forge, la guilde et le sanatorium. J'ai surtout upgrade ça. Il me faudrait plus de tableau par contre. Ah, et après je peux maxer. Ben, on va faire ça, on va maxer. Great heroes can be found even here, in the mud and rain. In the mud. Parfait, donc maintenant on a l'emplacement maximum pour les héros, c'est cool. Faut vraiment que. Ouais, stress. Donc, déjà. Lui quand. Ah, il fréquente uniquement la maison close. Très bien. Tac. Mais vous avez tous les deux enthousiasme extrême, d'accord. À remplacer expertise du wield. Bon, ça m'emmerde un peu. Pétard mouillé. J'avais pas vu le gothique, ça c'est bien, faudrait que je le verrouille. C'est bizarre. On va faire ça, hein, je pense. C'est cher, bande d'enculés. Hein. Alors maintenant, la mission qu'on va faire. Alors moi, je pensais dans cet ordre-là, c'est plutôt je vais voir la mission que je vais faire et puis après je me prépare en fonction. J'aimerais bien avoir des tableaux, des portraits pour upgrade la guilde au maximum. Comme ça, ce sera fait. Déjà, c'est une breloque. Oh, je pourrais faire une mission champion, mais je sens que ça va mal se passer. Ou alors, faut vraiment que je me prépare très bien. Et on va faire une mission champion, je pense. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on prend? Déjà, attaque. Déjà. Pourquoi pas? Bah en fait je pense qu'on va faire
On va faire ça, on va faire. Chasseur de primes. Une arbalétrière comme ça, elle sera niveau 6. Et après, première ligne, on va mettre, je pense. Ouais, c'est ça, on va mettre. Une homme d'armes. Parce que le problème, c'est que toi, tu reposes trop sur saignement. Le problème, c'est qu'on a des ennemis qui résistent au saignement dans ce putain de. Dans cette zone de merde. Ouais, ça me paraît bien. Oh, ça va tellement coûter de la thune, putain. Oh, sa mère. Ah, ça va m'en coûter des balls. Donc si je fais ça, on va faire paf et paf. Donc pour toi, ça change pas. Même changer un truc niveau positionnement. On va faire comme ça, ça c'est bien. Alors, niveau des skills. Oh, ça me coûte si cher. Ça me coûte si cher, bordel. La massue. Quant à toi. J'aimerais ne pas réduire mes chances d'étourdissement en fait. On va faire tac. Et plus 15. Tac. Voilà, ça c'est bien. Et toi je te mets l'anneau tueur d'horreur. Par contre, t'as 0 d'esquive. Mais tu vas faire mal. Au moins c'est bien. Tac. Qu'est-ce que je te mets? Stress moins 20%. J'aimerais justement faire en sorte de pas trop stresser. C'est bien, ça c'est bien je pense. Et on augmente l'esquive, résistance aux étourdissements, résistance aux déplacements. Ça va, c'est bien. Tac. Il n'y a pas des trucs que je peux vendre. Ok, toi tu dégages. Nul à chier. Nul à chier. Nul.
prendre, il me faudrait tellement un bandit là. Le roi, je peux pas vraiment le vendre. Hein. Et t'as jamais assez d'argent dans ce jeu de mort, putain. Du coup là si je grille tout le monde j'en suis bah frère j'en suis à 12 000 d'or quoi j'en suis à putain de 12 000 je vais me ruiner. Le problème c'est que la dernière fois que j'ai fait une mission de niveau 5 ça s'est très mal passé. Je parle même pas de ça quoi putain. En vrai, toi, retire ça, mets ça. Parce que ça, j'utilise jamais. Et on va. Alors, tac. Vas-y, on va dire ça. Ensuite, ça. La faucheuse. Et toi, bah, il me faut de la résistance. Voilà, je suis à 23 000 d'or. Sachant que il faut que j'achète des provisions après. Donc, va falloir faire en sorte que cette mission soit la plus rentable possible. Donc. Ce qui n'est pas forcément gagné. Parce que, du coup, on va dans la crique. Qui a un problème avec la crique ici? C'est un truc que j'aurais dû regarder avant, mais bon. Cartographie de la crique, let's go ça. Claustrophobie. Mon brave, tu n'as rien raté. J'espère que vous appréciez les noms que j'ai mis, au perso. Alors, combien de morts depuis le début? Alors, depuis la dernière fois, j'ai eu ces morts-là. Donc, paix à leurs âmes, ils étaient très bien. Voilà, Joshen Croisé, les héros main. Gros Rouge Bandit et Naiden, ils étaient incroyables, mais suite à une mission de niveau 5, ils ont tous péri. Et là, on va refaire une mission niveau 5. Avec Duff, l'homme d'armes, Hero Sneaky, le chasseur de primes, Vico, la Vestale, et Damus Skin 2, pardon. Damus Skin 2. Parce que du coup, j'ai déjà eu une Damus avant, mais elle est morte. Ici. Donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 morts. Sur 50 runs. Ce qui est plutôt honorable, je trouve. Donc ouais, on est parti, hein. Donc paf, ok. Écoutez, ça me semble bizarre. Donc on va y aller. Donc on est parti pour cette mission. Mission longue, hein, du coup. Ça veut dire qu'on aura deux campements. Prends trois pelles. Je sais pas si je prends un stack de torches en plus, ça me semble beaucoup. À la limite, prends 4 torches en plus. Allez, on va faire ça. Donc on est parti. J'ai 24 de bouffe, 3 pelles, 2 passe-partout. 12 torches. Ben on y va. Hein. Voilà. Et dans la soirée, je pense que je continuerai en faisant du Fire Emblem pour ceux qui attendent. Vous inquiétez pas.
The smell of rotting fish is almost unbearable. Et voir la taille de la map. Pas mal. C'est pas mal. T'as bientôt rattrapé avec souris. Ah oui, du coup, votre... oui, votre sous-link là sur RD. Alors, ça se passe comment? Jusqu'ici. Comment ça s'est passé la première partie avec la brigade de l'aube? Vous avez eu des morts? C'est la merde. Tant que ça, vous avez perdu qui? Le mode hard est trop dur. Ah oui, vous avez fait mode difficulté maximum, du coup. On a déjà que perdu Aran et Léo. Ça va, si c'est... Je trouve qu'ils sont... C'est pas les plus importants. Putain, le loot de Malak, par contre. Si vous m'avez dit que vous avez, si vous m'avez dit que vous aviez perdu Edward, là ça aurait été. Aran, c'est le seul tank de la brigade avec Jill. Bah écoute. Ah oui, non, ah, j'ai confondu Aran et. Oui, c'est la merde en fait. J'ai confondu avec le combattant, j'ai oublié son nom. Dis-moi, vas-y. Eux, ces enculés, ils faisaient vraiment trop mal, hein, les champions adeptes. Hein. En niveau 5, ils font vraiment beaucoup trop mal. Donc, toi d'abord. Si ça commence comme ça, ça va vraiment mal se finir. Alors, j'ai trop dit. Mon Edward est level 18. Mon Edward level 18 est plus faible que celui de Swift qui est level 14. Super! Excellent ça! J'ai critique 28. Oh, vas-y, au point j'en suis. Hop. C'est vrai, par contre, elle a beaucoup de stress. Toute ma team est bien plus faible, c'est indécent. La malchance, écoute. J'ai fait RNG screw, moi aussi d'ailleurs. Sérieux, vous jouez tous avant moi là? Ne joue pas. Merci. Alors je fais combien? Du 15 à 30. Ok. On va faire ça. Et que mon... Ah là c'est Nolan le combattant. Il y a que mon Nolan qui est meilleur que le sien. Ah écoute, c'est déjà ça en vrai. Ah j'ai peur. Putain mais eux c'est il est même pas buff quoi, il fait juste beaucoup trop mal. C'est un délire. C'est que le premier putain de combat, les amis. Et les amis, putain. Je... J'ai combien? Moins 20%. Oh. Moins 20%. Visuel. Non, on va mettre une marque. Voilà. S'il te plaît, merci. Petit crise.
buff. Buff d'esquive. Probablement. La pire chose. Bon, ça va. Ok, au moins pas de debuff d'esquive. Ah. Ça va être long. Oh mais c'est pas possible. Non, mais sérieusement, je suis à combien de pourcents là? Je suis à 80% frère, c'est quoi ça? Putain, crit 20%. Bah go. Dommage, j'aurais tenté. Ouais, ça valait pas le coup de faire ça en fait. Bon, c'était long, mais au moins on n'a pas trop galéré, je trouve. Voilà, et en plus. C'est long. Le problème c'est que j'ai pas de persos qui font des dégâts dans la durée, donc quand t'as des persos qui sont tanky comme ça, c'est long. Pour être honnête, je sais jamais quoi prendre dans cette zone. Puis j'ai besoin de thunes, donc hop. Je peux rien prendre, toujours top tier les dots dans ce jeu. Les antidotes? Oui, c'est... Je sais pas, pourquoi top tier en fait? Il me faudrait surtout des portraits. Mais j'ai besoin vraiment de thunes en fait, donc hop. Les blasons, les limites, de toute façon on a tout le temps des blasons, donc... Les contrats, j'en ai moins besoin. Pareil pour les bustes. Mais là, en gros, là, c'est ce qui serait bien, c'est de rendre la quête la plus rentable possible. Ça, pareil, je sais pas quoi mettre comme... Ok, bon, moi, j'aurais testé. Ah, c'est dangereux ce que je fais, parce que après si je tombe sur un obstacle, puis après il n'y a pas... Hein, et puis après j'ai plus de pelle et que j'ai du stress gratuit, là je vais avoir l'air con. J'aimerais bien... Ça vaut rien cette merde, donc... Là, je me sens con d'avoir consommé le bénit parce que j'aurais pu avoir un bonus de dégâts avec ça.
Bako. Lui. Ah putain, il fait pas de crit. Il fait pas de crit, ce con. Vas-y, c'est tout déplacement, putain. Ce serait, je pense que ce serait mieux de que j'avance quand même. Parce que là, elle va rien faire. Ouais, elle va rien pouvoir faire. Donc, voilà. Je soigne maintenant, je sais pas. 61, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Ah oui, putain, ok, buff d'esquive, tout le monde. Ah non, esquive! 95 de stress, c'est très mauvais cette histoire. C'est vraiment mauvais de fou. Oh, mais crit. Un jour, pitié. A decisive pummeling. Oh oui. Let's go, pardon. Désolé si j'ai saturé ton micro. Mais... Est-ce que j'aurais dû essayer de tuer le mec, hein? Le mec, d'abord. Oh. En plus, c'est le but. Parfait, ça. Voilà. C'est pas grave. Tiens. Seize this momentum. Push on to the task's end. Bah écoute, hop, paf, et voilà quoi. J'ai vraiment pas envie d'empirer la situation dans laquelle je suis, donc bon. Est-ce que je consomme? Ouais, le problème c'est que ça me fait chier si c'est juste pour une personne. Mais en même temps, ce serait bien de réduire son stress. Mais j'ai pas vraiment de moyens, donc je sais pas. Super. Écoutez, j'ai jamais vu cet ennemi. Esquive 32. Je fous de ma gueule là. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Oh non, ça me dit pas que c'est un truc qui stresse. Oh, mais c'est pas vrai. Là, j'ai prié pour avoir un bon truc, quoi. Enfin, pour avoir une vertu, parce que sinon, si on a une affliction dès le début de la run, ça va vraiment être compliqué. Vico! Oh, let's go, Vico! Vico! Il y a fois 100 S, mais c'est pas grave. Oh putain, let's go. Oh, je suis trop heureux.
Donc là, en gros, j'ai eu de la chance. Pour les gens qui ne comprennent pas trop, quand un héros a une tension de stress, il peut soit être, devenir fou, soit devenir top tier. Entre autres, là, Zico vient de devenir top tier, donc bravo à elle. Le potentiel caché de Zico, mesdames et messieurs. Donc qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en vrai, on s'en fout, ils font pas de dégâts, mais donc... tout sur lui, hein. Et le crit qui fait plaisir. Oh là là, franchement là, ça m'a sauvé. Mais non, mais c'est pas lui. Je fais 2 de dégâts quoi. Soin. The blood quickens. Quand t'arrives à savoir ce que va dire le narrateur, que tu connais chaque dialogue, chaque ligne de dialogue qu'il fait selon les événements, c'est que c'est vraiment trop joué au jeu. Il me fout de la thune. Là je suis Roneo lors d'un tournoi, c'est-à-dire il lui faut de la thune. Sinon il peut pas rentrer. Je suis Roneo après avoir flop à un major. Encore? Pff, sérieusement. Ouais. Hein. Oh là là, c'est une catastrophe. Vraiment. Je crois que ça fait un saignement de bâtard ça. Merde. Laisse-moi. Tu con, j'aurais pas dû faire lui. Oh, y a moyen. Dommage. Ah, nique-toi. Mais c'est pas possible. Oh là là. Nique-toi. Merci. Le chasseur de primes est top tier dans ce jeu. Ce serait bien si j'arrivais à l'étourdir, mais je suis vraiment pas sûr. 140. Là, je dois être à 170. Ah, y'a moyen en vrai. Allez, go. Let's go. Loyauté, ça fait quoi? Vertu, protection, plus 15. Ok. Ok, c'est déjà. C'est bien. Un bonus sympa. Merci de ne pas jouer. Va crever. Merci. A powerful
Ouais, soigne ton peu de stress là, parce que là c'est chaud. Ah, c'est mieux pas, merci. Okay. $1050 de pièces d'or quand même, c'est une somme. Le problème c'est que là... Oh, de toute façon c'est pas grave, il me faut de l'argent. Il me faut de la détunasse. J'ai trop dépensé pour cette quête. Faut qu'elle soit rentable. Campement. On va faire parce que là je commence à être. En vrai, peut-être à part. En vrai, au moins pour cette aile là. Puis après, on reviendra ici. Je pense qu'on fera genre à partir de là le deuxième campement et après on explorera le reste des pièces. On va faire ça. Circle in the dark. The battle may yet be won. Donc non. Prière. C'est mieux la prière, je pense. Ce sera bien. Pas grand chose pour réduire le stress. Hein. Déjà off. Voilà. Ensuite. Je sais pas si je fais un buff général de dégâts, en vrai je pense que ce serait bienvenu. Crit plus 8%, c'est bien ça, en vrai. Donc ça me fera 4, 2, 2, mais ouais, ça veut dire que je m'expose aux embuscades nocturnes. Et en vrai, si on a une, c'est vraiment pas bon. Bon, on va prendre le risque. Après, on limite le stress sur toi. Voilà. Ok, j'ai pas eu d'embuscade, let's go. Je n'ai pas eu d'embuscade. Parce que du coup, ça peut arriver que vous avez une chance que la nuit, il y a des monstres qui vous attaquent pendant que vous se reposez. Et dans ces cas-là... Ça fait surprise, donc toute votre formation est mélangée. Donc ça peut ou ne pas vous déranger selon votre compo. Mais généralement c'est de la merde. Ouais. Là le jeu se fout de ma gueule par contre. Ouais mais ça, mais lui il fait que stresser les autres en fait. Strike.
Ah bah ouais, mais je j'ai passé son tour là. Super. Ah, j'aurais reculé de 2, je suis con. Je suis trop con. J'ai cliqué trop vite. Oh, putain. C'est une dingue. Crève. Combien de crit sur map? Ah non, c'est juste le crit de bâtard. Putain, heureusement que j'ai fait en sorte qu'il gagne pas autant de stress que d'habitude. Hein. Pas d'argent. Ah, repérage, enfin. Ok. Non, ça on touche pas. Mais de la vie on touche. Crève, let's go. Je suis à 35% de crit, ça c'est bien ça. Ah, let's go, on fait des crits. Les crits partout. Merde, je me suis un peu emballé. Voilà, let's go. Ok, ça va, on s'en sort bien, let's go. Oh, mais... oh là là, c'est trop bien, le chasseur de primes. Bah non, pas de contrat du coup. Contrat, j'en ai pas besoin. Par contre, ce qui serait bien, c'est que... le problème, c'est que j'ai cramé trop de pelles pour les curiosités. Ça fait réduire le stress, mais des fois ça fait l'augmenter, c'est trop chiant. Another mariner, another misfortune. Et on a presque plus de torches et on tombe dans un piège, let's go. Hop, bah parfait ça, tac. Allez hop, une malus. J'espère pas cramer. Ok, let's go. Bien, donc on va faire tout le chemin en arrière et prier pour pas qu'on ait de combat. Parce que le but c'est pas c'est d'explorer le maximum de pièces possible dans cette mission du coup. Il n'est pas obligé d'explorer tout le donjon. Secrets and wonders can be found in the most tenebrous corners of this place. Et j'ai un combat, j'espère que c'est pas ce que je pense. Ok, ça va. Et en plus, c'est eux qui sont sur prévu. Celle-là, c'est de la chatte. Dommage.
Pas mal ça. Oh non. Ah, va te faire foutre. Oh mais va te faire foutre. Il faut que quelqu'un le bute. Oh non, c'est pas vrai. Oh, c'était vraiment, c'était le moment de le buter. C'est pas grave. Hop. Voilà. Oh, par contre, leur stress a vachement augmenté. Beaten, j'arrive pas. J'ai un très mauvais anglais. Est-ce que ça marche avec un passe-partout? Au moins c'est. Au moins je sais. Ouais, je pense qu'on va camper dans pas longtemps. J'ai encore un combat où j'aurai les buffs. Après, je les aurai plus. Et je pense que dès... je pense dès dans une pièce où j'ai déjà exploré, peut-être. Bâtard. Kinou. Là, ce qui serait bien par contre, c'est d'avoir des torches là, parce que là, ça commence vraiment à être la merde. Allez, on est dans le noir. Pas de monstres, let's go. Est-ce que on peut continuer encore un peu, peut-être. Ok, après, on a un combat du coup. Je pense que là, c'est le bon moment pour faire un dernier campement, je pense. On va faire ça. Il faut réduire le stress des gens. Ouais, ouais, hop, déjà. Et pas besoin de soigner les autres, là c'est... on essaye de réduire le stress. Voilà. Entraînement. Tac. Et qui ont réduit le stress. Faire. En vrai, je pense on va faire. Alors, ah, je sais pas. J'hésite. En gros, encore à buff. Bon. On a 16%, donc est-ce que c'est vraiment le coup? Allez, je suis un malade, moi. In Radiance, may we find victory. Sage. Hop, le piège dégage. Ah, il y a lui. Shit. Lui, ce serait bien qu'on le bute, par contre. Et vite. Alors ça, c'est très chiant parce que ça peut déplacer les gens. C'est pas vrai. Oh là là.
suffisamment. Oui, parce que sinon c'est pas drôle. Hein. Sinon c'est pas marrant. Oh, let's go ça. Toi tu. Dommage. Petit crit, j'aurais pas été contre. Mais non, elle est pas vouée à l'échec. Dis pas ça, tu penses pas. Je suis sûr que tu ne penses pas, bébou. Dégage. Voilà, et du coup il protège plus l'autre. L'auto-soin de stress, quel régal par contre. Oh, y a grave moyen, let's go. Par contre, les teams à setup de marque, c'est. Je trouve ça vraiment. Limite un peu broken des fois. Allez, let's go. J'ai mal. Qu'est-ce qu'il est chiant cet ennemi, putain. Merci. Success. Après ça c'est autre chose, je peux toujours le revendre. Ok. Ok. Donc en gros. Après il y a un coffre au trésor. Au moins là je suis assuré de ne pas prendre de risques. Et surtout savoir s'il n'y avait pas un obstacle quelque part. Mais il n'y en a pas du coup. Ouais, par contre. Duff risque de. Ouais. Oh non. Ok, let's go. Zblé. Zblé. Toi, il faut que je te soigne, sinon je suis incroyable. Oh, c'est pas vrai. Mais non! Putain, il peut le faire d'ici. Par contre, il va exploser après là. Ah, il est à 100. Alors, Duff. Irrationalité. Dommage. Madness. Lui, par contre, faut pas que je le laisse jouer. Sinon il va exploser, il va faire un kamikaze et il va stresser tous mes héros. Et j'en ai clairement pas besoin. Toi dégage.
Allez, crève. Ah, dommage, la fiction de moins de dégâts. Tic tac tac, moins 5. Ah, plus de vitesse avec la fiction. Bim. Dommage. Oh, allez, un dégât. Et parce que, évidemment, là, ça fait un crit. Sinon, c'est pas drôle. C'est le moment où ça va être très chiant pour très chiant en fait. Non mais sérieux. Putain, et Rosnegi aussi, il est sur point stressé. Ah bah allez, ça y est. Allez les gars, c'est pas le moment. Égoïsme. On se casse la gueule. Ah oui. Oh la thune. La thune partout. Oh, il me faut des tableaux par contre. Tac. Ah putain, il faut encore que j'explore une pièce. Enfin, des pièces. Enfer. Oui bah hop. Putain, en plus je me tape deux combats là, vraiment. Ouais, je crois que je vais avoir toute une partie Putain, j'avais pas vu par contre. Ah, le saignement. Oh, merde, j'avais pas vu le saignement. Oh shit. Faut que je consomme des torches là. Mais putain! Il est joué tout seul, ce connard. There can be no hope in this hell. No hope at all. Désespoir. Ok, super. T'as moins 3, moins 5, moins 10. Oh, ça donne des buffs de fou par contre, désespoir. Oh, au moins c'est déjà ça. Hop. Mais non, mais arrête de jouer tout seul, putain. Ta gueule. Putain, oh, pitié. Oh, c'est pas vrai, mais putain, mais pas comme la dernière fois, on était à la fin. On était à la fin, bordel. Allez, vous allez me faire...
Oui, bute-le, merci. Ah, dommage. Allez, joue pas. Okay. Injury and despondence set the stage for heroism or cowardice. Ok. Allez, ça peut le faire, ça peut le faire, ça peut le faire, ça peut le faire. Oui, ta gueule. Remind yourself that overconfidence is a slow and an insidious killer. Ok. Bon, j'espère que c'est la dernière pièce à explorer. Ok, ils sont trois. Enfin, ils sont que trois. Grosse guillemets. Ah, super. J'ai tout gâché. J'aurais pu en tuer un dès le début, mais j'avais décidé de faire de la merde. Et de ne pas sauver cette run. Oh, let's go. Merci. En plus, t'enculé, il fait stresser tout le monde. As the light gains purchase, spirits are lifted. Mais non. Oui. Rire nasal. Hop, cher. Ah, j'en ai dans le mal. Mais non. Ça commence à être délicat. Ouais, bah... Non mais... Oh la vache. Oui bah je vois ça, connasse. Non, mais putain. En plus il touche même pas ce fils de con. Ok. Et en plus j'ai vu que c'est la mauvaise, bravo. Un PV, mais il y a un PV près, mais j'en peux plus. Mon ami. Il n'y a plus d'amis ici. Oh, dis-moi que c'est la fin, je t'en supplie. Putain, il y a encore une pièce à explorer, mais j'ai envie de crever. Oh, pas de combat, s'il vous plaît. Pas de combat, pas de... Oh la vache, mais putain. Mais en plus, c'est une goule. C'est une putain de goule. Ça pouvait pas être pire. Oh, merci. Va te faire cul. Est-ce que vous sentez que je perds Vous sentez que je perds les pédales? Moi je le sens bien. Putain, ça me ferait chier, il reste plus rien quoi, il reste rien. Oh, esquive! Sérieux? Ok. Ok. Bah je pensais que t'allais faire plus grognasse, mais de toute façon quand j'en suis, j'attends plus rien de toi. Bah toi, tu vas passer ton temps à faire des soignements de groupe. Hein.
putain. Ça commence à être vraiment chaud au niveau stress par contre. Ça va être chaud, c'est chaud, c'est vraiment chaud par contre. Ah, dommage, il aura plus sa marque. Je l'avais marqué, ça aurait... Putain. Nique ta mère. Oh, clairement. Et en plus, là... Frère, regarde l'état de ma team. J'en peux plus. Non, mais ta gueule. Putain. Bon, Vico, ça va, parce que... Elle gère. Vico, elle gère. Vico a carry cette fois. Mais putain, espèce de con. Ouais, bien sûr, mais on est à la fin, t'inquiète. Vico qui gère, c'est assez méta. Sinon, votre partie du net. Oui! Merci, le chasseur héros sneaky, le chasseur de primes. Putain, vous me voyez pas sur, vous me voyez pas, mais putain, je suis en train de me balancer sur ma chaise dans tous les sens. Je suis heureux. Je suis putain de heureux. Oh la vache. Ta gueule. J'espère pas avoir ce combat. Sauf qu'il faut rien comme d'habitude, dit Kari, mais là. Et là, il fait rien. Hop. Bah oui, 25%, ça, tu les mérites, t'es putain de 25%, vu comment tu viens. C'est moi, je crois que j'ai déjà eu une vertu où il déstressait les autres. C'était très très fort. Oh, j'avais pas vu 192 de stress. Wow. Sympa ça. Il y a tellement de trucs par contre. Bon, je crois pas que tu peux avoir deux combats par couloir. Bon là, s'il y a un combat, je suis pas sûr qu'on puisse terminer cette expédition, cette run. Putain, mais il y a encore une pièce à explorer, mais sans déconner quoi. C'est pas assez, je peux pas rentrer, putain, mais vraiment. Là j'ai plus de torches, j'ai plus rien, j'ai plus de bouffe. Et il y a encore une putain de goule. Il y a toi aussi, super. Merde. Life ebbs. Terrible vistas of emptiness reveal themselves. Damus Skin 2 est morte, mesdames et messieurs. Paix à son âme. Je ne sais pas comment on va faire. Très clairement. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je fuis? Oui, mais si on fuit, de toute façon, on va quand même devoir se taper. Là, le problème, c'est que j'ai deux héros qui sont max de stress. Pourrait buter lui déjà, ça serait un bon début. Et après, je pourrais le buter avec l'homme d'armes. Enfin, il faudrait que je le bute avec le
avec Dico, puis avec la Vestale, puis après je buff tout le monde avec un de l'esquive. Le problème c'est que là j'ai deux monstres qui ont que des attaques de stress en fait. Donc, en gros là c'est la merde. C'est vraiment la merde. S'il explose, c'est chaud. Mais j'ai que des sacs à PV, il me faut KO 4. Non, je fuis. A wise general cuts losses and regroups. And now the true test. Hold fast. Ouais. Préfère abandonner. Ouais. Par contre, c'est chiant. Ah, je viens de réaliser, on a perdu quoi? On a perdu le bandeau et le tireur des. Bon, c'est chiant, mais ça va, c'est pas les pires. Enfin, c'est pas les plus. Les plus graves. Ouais, bon, bah, on abandonne. C'est chiant, mais bon, au moins, ça. T'as, deux fois, ça m'arrive par contre. Deux fois. Je suis au bord de réussir une quête de niveau 5 et au bord, enfin, et dernier combat, c'est toujours la merde. Ah, c'est chiant. Bon. Au moins, ça va, j'ai réussi à avoir de la thune. I was lord of this place before the crows and rats made it their domain. Mon lit, quand j'aurai passé de semaine. Ok. Je ne suis plus bourré. Et la musquine 2 est morte. La femme goule insatiable. Bah oui, mais moi je m'en bats les couilles. Ah, bientôt, on aura bientôt la guilde niveau max. Ça c'est bien par contre. Ça aura duré au moins une heure cette run. Une heure ou. Qu'est-ce que c'est que ça? Il écume les terres, ramasse les breloques abandonnés par les héros morts au combat avant de les imposer son nom en décomposition. Nana. Éliminer le hurleur pour récupérer 8 breloques perdus. Oh putain! Ça serait bien par contre si j'y arrivais. Oh, what? J'ai jamais vu ces breloques, je crois. Dommage, plus 1%. J'ai des chiens. Ils sont reçus. Moi, pensant que pendant ce soir, au moins 50%. D'accord. Bon, alors. Là, la. Putain, le dit de raison. Bon. Moi, je vois deux choix. Soit on fait. Le perchoir. Soit on fait ça et pour récupérer, tenter de récupérer les breloques qu'on a perdu, sachant que j'en ai perdu des vraiment pas mal en plus. Et le problème c'est que je le fais avec quel team, ça le souci. Bon, déjà les héros stressés ils dégagent. Il me faut des mecs avec des marques. Nick Soup, ce serait bien lui.
Ouais, là j'ai une bonne team, là c'est bien. Je pense qu'on va faire ça. Alors je fais avec. Le problème c'est que. Ah, je suis à 28 000 par contre, ça c'est chiant. En fait, là, je suis un peu partagé entre soit faire cette quête, récupérer une bonne breloque pour en mettre aux chiens qui buff les dégâts en plus, donc c'est une breloque vraiment pas mal, me refaire de la thune. Là, le problème, c'est que je crois que j'ai déjà fait cette mission, mais je l'ai fait très peu de fois et ça s'est jamais très bien passé. En plus, je crois que c'est vraiment pas facile et que le corbeau il fait que des dégâts de stress tout le temps. Là, au moins, je suis sûr de réussir cette mission. Les niveaux 3, elles sont pas sont plus trop dures à mon niveau. Voilà, et en plus, j'ai de quoi faire. On va faire ça, on va faire paf. Prendre Steve. Steve. Quand n'est pas dispo. Ouais, ta phobie, c'est. Oui, c'est les tanières, ça, en plus, évidemment. Tu as peur des tanières. Qu'est-ce qu'on prend? Je pense après, on va faire une run avec l'antiqueur pour gagner des thunes. En Joshen et du Autocut. En plus, les tanières, c'est bien pour ça, je pense. Those without the stomach for this place must move on. T'as quoi toi? Yes. Gélant, non. Pas intéressé, merci.
reculer. J'ai effectivement oublié les prologues. Qu'est-ce qu'il y a pas des bâtiments que je peux améliorer un petit peu quand même? Ouais, faut que je garde quand même les polos. Charm. The simplest object can be a talisman against evil. Evil. Ah oui. Je pense que votre stuff il est très bien. Votre stuff il est bien. Oui, vous êtes tous niveau 4 donc ça. Maladresse, ah ça c'est vrai, c'est chiant par contre pour un croisé d'avoir de l'esquive en moins. Après j'ai beaucoup, j'ai vraiment pas d'esquive là. C'est ça qui est problématique. Après le problème c'est qu'il fait déjà super mal lui, donc tac. Il fait super mal lorsqu'il est transformé. Paf, ok. Paf, la boule magique. Peut-être augmenter un petit peu ça. Ça c'est bien aussi. Voilà, je vais permettre de dépenser un peu de thunes. Tac. $2500 et plus de pièces d'or. Donc, il y a un problème dans les tanières ici. À savoir. On rave les tanières. Tenir c'est 13-20%, ça c'est bien. Ah oui c'est vrai, du coup j'ai le Renault, il a ça, enthousiasme extrême. Ça lui correspond bien je trouve. On va prendre 24 de bouffe, 2 pelles, 8 torches, un passe-partout je pense. Et prendre des âmes médicinales parce qu'on peut tomber sur un buff très sympa.
Et ça me semble bien. Allez, go. I could not store such a prodigious amount of offal, nor could I rid myself of it easily, possessed as it was by unnameable things from outer spheres. When excavations beneath the manor broke through into an ancient network of aqueducts and tunnels, I knew I had found a solution to the problem of disposal. The thing is more terrible than I can describe. An incoherent jumble of organ, sinew, and bone. And bone. Bone. Alors, si je me trompe pas, si je fais ça... Voilà. Truc sympa. Ouh, 9 à 16, mon gars. Zboulé. Dommage. Oh, évidemment. Continue the onslaught. Oh, excusez-moi. Ou oh, pardon. Je crois que j'ai saturé. Je crois que j'ai fait saturer le micro. C'est pas grave. Oh, let's go le crit, ça c'est bien. Je suis pas sûr de le tuer, voilà. Un de moins. Et hop, voilà, c'est une laisse lui. Ah putain, tu peux faire ça des premiers tours toi, enculé. C'est que je n'ai personne qui est, je n'ai pas de healer. Du coup, faut trouver le plus de bouffe possible. Oh la vache, ça c'est bien par contre. Est-ce qu'on va se refaire? J'espère. Oh, ça se passe tellement bien. Vous voyez à quel point c'est différent les missions champions, les missions niveau 3. C'est très très différent. Voici ton jugement. Hop. Ça c'est fait.
Ah merde. Ouais. Oh, il joue, sérieux. Vitesse 4. Vitesse 6. A trifling victory. But a victory nonetheless. Et en plus, on a vraiment un passe-partout derrière. Vous inquiétez pas, je maîtrise la situation. Hop, voilà. Oh, let's go, on va pouvoir se refaire. Et en plus, oh là là, incroyable. Alors, paf. Je pense ça là, ça par quoi on remplace par ça, je pense. Là en gros, la thune ça donne ça. Limite, je pourrais, là j'ai même plus besoin de clé quoi, parce que je suis pas du bon loot. Une aubaine. Une putain d'aubaine. Et je pense qu'à partir de là, on va camper et on va se buff. Parce que là, le boss est pas loin. Circle in the dark. The battle may yet be won. Déjà. Déjà, voilà, on empêche les embuscades nocturnes, on buffe la vitesse de tout le monde. Ouais, là je peux pas vraiment buff les dégâts des gens, mais bon, c'est pas grave. The light, the promise of safety. Oh, let's go, ça. Ah, bâtard. The
ground quakes. Et il meurt pour le prochain tour, let's go. Ouais, je vois pas ce qui peut faire effet en fait là. Bâtard, non. Mechanical hazards possessed by evil intent. C'est le boss. En plus c'est parfait. Attends, mais c'est incroyable ça par contre. J'ai pris zéro antidote, ça, ça peut être un problème. Je déteste ce boss, pourquoi ? Pas si chiant que ça, en vrai, y a pire. Y a quoi comme bascule? Moi j'aime pas. Je le trouve relou. Franchement, je trouve la sorcière et la sirène bien plus relou. C'est vraiment horrible. Là. Oh oui, 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 let's go. Ok, ça. Que j'en veux encore un peu de dégâts. Ah merde, non. As life ebbs, terrible vistas of emptiness reveal themselves. Et évidemment, il a pas de il n'y a pas d'auto-soin. Que Joshen et Diodoken vont mourir, la réponse maintenant. Oh, avec le Seigneur, il peut. Ok. Non, normalement c'est bon. Mais non, c'est bon. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Alors,
Est-ce qu'il y a des trucs que je pourrais continuer à explorer ou je me casse? Je pense qu'on se casse, on est déjà un beau butin, hein. En vrai, allez. Voilà, c'est bien. 13 000 plus 6 000, donc on est à 20 000 de thunes. Bon, on n'a pas beaucoup de legs, mais c'est pas grave. Et en plus, on a les gens croisés. C'est pas ce me cité esprit moins 5 crit. Ah, par contre, les crit en moins, ça c'est pas fou. Wesh. Putain, j'en ai 3 qui ont eu des maladies. Ah, super. Non mais vous êtes nul. Bah non, vous êtes nul à chier. Vous êtes niveau 0, on s'en fout. Ok. Renault est désormais une légende croisée. Incroyable. J'ai toujours pas de bon de bon rôle. Donc déjà. La courante. Esquive moins 20. Tac. Ennui. Tac. Mon cher Lican, j'aimerais bien que tu t'améliores. Ah, il est toujours là, lui, du coup. Alors, bon déjà, les guides, putain, à rien. Voilà. La guide est au max. Every creature has a weakness. The wise hero trains for what he will face. La guide est améliorée au maximum, mesdames et messieurs. Et ça fait du bien. J'ai eu une améliorée au maximum. Ce qui serait bien, ce serait peut-être la diligence à améliorer. Fixement. Là, ça va, la diligence, c'est pas non plus le plus urgent parce que le reste maintenant, c'est juste améliorer le nombre de héros qui sont dispo ici à cet écran. Et en vrai, on a déjà beaucoup de héros. Maintenant, le reste est que de la réserve ou du bonus au cas où. Salut Nali, putain le chat, j'en ai marre de ce chat, il est jamais la bonne taille, il est jamais bien. Il me saoule. Voilà. Il est quelle heure là? 19h30. Ah, ça va. Je pensais qu'il était plus tard. Ça change aussi de démarrer les lives plus tôt. Donc j'ai quoi améliorer le sanatorium? Mais ça c'est pour augmenter le nombre de... En fait là ce qui serait bien, c'est que j'augmente le nombre de placements des bâtiments réducteurs de stress. Je pense que c'est la prio. Ça va être ma prio maintenant.
Donc je pense qu'on va faire la taverne d'abord. Voilà, fixer le nombre d'emplacements. Ça, c'est ça, il faut que je fasse. Il faut que je fasse. Bon. Je pense que ce qu'on va faire, c'est... Oups. Tac. Tac. On va aller faire cette mission-là. Qui, en gros, là, on va affronter un boss. Pour tenter de récupérer les équipements que j'ai perdus au cours des quêtes. Donc, on va faire ça. Il n'y a pas besoin de soigneur, normalement, pour cette quête, si je me souviens bien. Oui, du coup, il me faut RNG gros rouge là. Ça me semble bien. Ils sont très bien. On va buff tous ces gens. J'ai la thune pour. C'est pas surtout buff tout ce qui est arme en fait. Le fil du rasoir. Et tour, on s'en fiche. Tac. On veut là, c'est surtout buff tout ce qui est. Voilà, ça c'est tout ça quoi. Touche dans la tête. Ok, on va tenter ça comme ça. Ensuite, hop. Là, on va en full augmenter les dégâts. C'est ce qu'on veut. Voilà, plus de crit. Ah oui, pas mal ça. Ouais, je sais pas quoi te mettre pour être honnête. Ça. Après, je sais pas le type, mais bon, autant tenter. Hein. Peut-être que logiquement, ce serait une bête, je pense, non? Donc, c'est un corbeau, c'est une bête. Bon, allez, on va faire ça. Je sais pas. Un truc. On va faire ça. Allez, hop, hop. Est-ce que j'en profite pour passer quelqu'un? Est-ce qu'il y a un truc sympa? Enthousiasme extrême, je sais pas si ça vaut le coup de le verrouiller. Roseau de vitesse plus. La seconde souffle, ce serait, genre, ça serait sympa de l'avoir.
vide bagarre. Réflexe vif. Attention, il est chiant. On va l'enlever. Hop. Le sans-fond, il est pénible aussi. Ça nous enlève deux activités. Putain, 4000. Oh, c'est cher. Allez, hop. Tac. Ça me semble bien. Faut pas me faire stresser, mettre de la pression comme ça. Et je vais peut-être au moins. On va augmenter ça, on va dire. Voilà, hop. Oui, je sais que ne pourra pas être abandonné, mais tu sais quoi, c'est pas grave. Allez hop. On poursuit, on risque. Je crois que c'est un boss, mais du coup, qu'est-ce que je prends ça, on va dire. Ça, écoute, hein. Ceux qui survivent à cette rencontre reçoivent parfois des attributs uniques en récompense. Ah, carrément, faut survivre. Ok. Ah, bête. J'aurais dû me faire confiance. Horreur et bête, il a. Ok. Ouah, l'esquive qu'il a, par contre. Oh, l'enculé. Chaumière. C'est ça qu'il faut que je vise ou c'est un autre truc? Dégueulasse. Dégueulasse, le type. A devastating blow. M'excusez, j'écoute mon instinct. Il agit trois fois par tour, l'enculé. Hein. Picoré. Oh, la vache! Ah, merde. Ok, ça. Dégâts de baiser.
cursed champion falls. Il fait vraiment mal. Succès 13%. Ah ouais, vraiment rien que ça. Ah oui, mais j'ai. Oui, d'accord, j'ai une précision de merde, c'est pour ça. Même pour mettre une marque, j'ai trop peu de chance. Ah, il se barre. Je me souviens de ça. Masochisme. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Qu'est-ce que tu veux que je continue? Putain, si tu détruis une, y'a que ça. Putain, faut buter. Ah si, c'est bon! Let's go! J'ai récupéré. Oh oui! Oh le plaisir! Oh putain! Je suis trop heureux, ok. Du coup, est-ce que je suis avec le fameux. Résilience de corps vidé? Bof, ouais. Je suis un peu déçu. Mon jeu vient de crash. Oh, c'est quoi ce bordel? Mon jeu a crash? Mais non, j'ai rien fait. Mon jeu a crash. J'ai envie de crever. Moi, je vérifie juste les mentions que j'ai eues sur mon Discord. Ok, tout va bien. Bon, j'espère que le jeu va être sympa avec moi. Oh putain, j'ai un seum par contre. Où est-ce qu'il va me faire Bon par contre, c'est chiant, hein. Mais non, c'est il me fait le jeu, mais non. Il y a une question de fenêtre. Voilà. Amo, ok, attends, est-ce que c'est bon du coup? Ok, c'est bon. Wesh! Par une malédiction odieuse ou un miracle pierre issu, il semble que même la mort puisse être épreuvée en ce maudit. Seulement un de ses soldats peut revenir parmi les vivants. Oh putain les gars! Est-ce que c'est... Donc on peut faire revenir soit Joshen, soit les main héros, soit Damuskin 1. Qui fait-on revenir? C'est... Je crois que c'est le moment... Est-ce que c'est pas le moment... de faire un sondage? Comment on fait? Alors. Gérer les sondages. Une question. Qui on revive? Revive qui? Alors. Joshen
les main héros ou Damus. Voilà, vous avez une minute. Je vous laisse une minute. Voilà, le sondage est lancé. Je vous laisse voter. Alors il y a un main héros, il y a un mec qui voulait qui veut les main héros. Si vous revivez pas Joshen, je vais lui dire. Parce que c'est quand même ça, si on fait pas revivre Joshen, ça en dit long sur sur la fraternité de notre communauté. Hein. Ce sont donc les main héros qu'on va revive. Bienvenue à toi. Bienvenue à vous. Ouais, je le dirai à Joshen du coup. Est-ce que c'est une... qu'une Ali qui a voté les chemins? Tac, voilà. Voilà. Donc du coup, si je l'ai... C'est de retrouver les prologues du hurleur à vide. Ah, je suis content, putain, on arrive à se refaire, c'est cool. Putain, on est bien, hein. Oh, pas mal. Guérison rapide. Oh, bien, gothique, naturel. T'es brûlé, passion divine, ouais. Bon, l'écrit en mots pour toi c'est pas trop grave, ça va. Ok. To those with a keen eye, gold gleams like a dagger's point. Ah, ça c'est cool. Bon, on va terminer le stream là-dessus, je pense. On a case de jeu en tout cas, après on reprend. Là on. Après, on reprendra sur Fire Emblem Radiant Dawn. Tac, tac. Un truc du martyr, il est partout. Paf, paf. Ça, c'est l'aventure d'horreur, ça, c'est ça. Oui, toi t'as chopé une boulimie, c'est ça. Putain, il est bâtard. Je sais pas si je coupe le stream. Je pense que je coupe le stream parce que je vais faire une petite pause de
une heure, une demi-heure. Et après, je pense que on va faire du RD. Un petit peu de RD, ce serait bien. Et du coup, là, là, on commence la partie 2. Là, on a fini la partie 1 avec la brigade de l'aube, la reconquête de Dain, tout ça. Non, en fait, sur la partie 2, on va retrouver Elincia à... Ah putain, j'ai oublié le nom du pays, bref, c'est pas grave. Retrouver Elincia et toute la... tous les mercenaires de... putain, j'ai oublié le nom. C'est pas grave, on va retrouver Ike et Elincia, je suis trop heureux, c'est cool tout ça. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Bref. Bon, du coup, je vais couper le stream parce que je prends une longue pause, le temps de reprendre de l'énergie un petit peu. Et après, on fera du RD. Let's go. Allez, à toutes.